Merci beaucoup, Balandia. Tono TV, ne maramo. C'est bien que non, où est Tono TV? Moi, on a beau tamier Tono TV. Kalamingi te boko sepela nakata Tono TV boko mona ka ba théâtre te boko mona ka ba gagite nakata Tono TV boko mona biloko ya ndenge na ndenge basango ya mawa basango ya bisengo nakata Tono TV kaka ndetro baye ke non Tono TV za mystique hein na ba na Congo partout monde entier Tono TV ye bo ya mbango ne sengo bo s'abonner na bo sani pete Global TV nakata Moscou hein Global TV na bo c'était Francine Vemba hein Nakata Bruxelles, nabo sanité Joël le botecole, nabo sanité nakata Paris, binonso tu Lili Oya Farnes Mayamba, nabo sanité pété petite sœur nangai Kondo Oya motema yagi et peu bozali nabo sanité les susu nakata Tono TV beaucoup de susu ya nangai Roger Lomponda Dodi Lobs nabo sanité yeah tantine bana émission mon c'est des malheurs modernes toujours pour mon nakata Tono TV engaye nabo sanité Dino de mou kwata viva brutal bangonyo sote pa bazali talaka Tono TV bo s'abonner chaîne nabino esika Congo yoka Europa yoka Africa yoka fungola matoyi Tono TV nanga Tono TV na ye Tono TV na biso to ya mbangona esengo nabusani te cameraman oya filmaka Jezi tango azoteya kiwa Ana 17 ans, pas banano minerbo. Qui a filmé blog tout bon monde oyo. Toi et bismi nokaki. Tono TV, bo s'abonner. Boko mona ba blog ki toko. Ah émission mon c'est ka des malheurs modernes. Mouté ko changer ba donné. Ya olamba engaye na leli. Kiwa toleka. Des maléwa moderne vous dit bonjour et bandeko balandi émission moseka ya maléwa moderne pesibino banso mbote na beno nyoso bampangi abeto kina kulanda beto émission moseka ya mama maléwa moderne me pesa beno nyoso bampangi na beto mbote na beno Moyo weno bana betu bonsu batu bakula mwakulu wa chiruba ni batu bonvwa mwakulu wa chiruba Moyo weno bonso Emisyo moseka wa mama malewa moderne wanu peshi bonsu moyo weno Et j'ai une boîte avec moi, une boîte de pichard Et je vais bien manger Il n'y a pas quelque chose d'autre, je vais créer vraiment un miracle là. Je descends dans mon potager et trouver quelque chose que je peux ajouter dans cette boîte et je passe à la préparation. Voilà, je vais manger quelque chose. J'ai mon petit foufou là que je dois manger avec, mais à la maison il n'y a rien. Je vais descendre un peu, voir qu'est-ce que nous pouvons ajouter dans notre boîte de pichard. Voilà, je descends dans mon potager. Voilà, et je vais cueillir les ngaï ngaï. Comme je vous ai montré l'autre fois, il faut à chaque fois tailler. Et cette plante n'a pas été taillée. Elle va seulement en hauteur, ce qui n'est pas intéressant parce qu'il n'y aura pas assez d'effet. Si on avait taillé, on aurait pu récolter beaucoup. Voilà ce que je récolte, c'est trop peu. Et pourtant, c'est une longue tige qui aurait déjà me produire autant d'effets. Voilà,
Et je pars encore de l'autre côté trouver quelque chose. Comme j'avais ciblé seulement aujourd'hui le Ngaï Ngaï rouge, et c'est ce que je vais prendre. Mais ça, vraiment, ce n'est pas vraiment Ngaï Ngaï rouge que nous avons. C'est moi, en tout cas, pour moi, j'appelle ça hybride. Hein. Ni rouge, ni verte, quoi. C'est vraiment mélangé. Pour moi, vraiment, c'est la race. Intermédiaire entre couleur verte, les feuilles vertes et rouges. Donc pour moi c'est hybride. Voilà, je suis en train de chercher tous mes hybrides là. Celle-ci vraiment, la plante ici aurait être vraiment Ngaï Ngaï rouge. Mais en regardant, il y a toujours un peu de verdâtre là. Donc et voilà, aujourd'hui expressement, je vais un peu faire ça. Oh, les Ngaï Ngaï qui sont apparemment rouges ici. Hein? Je sais que je ne vais pas mettre beaucoup parce que c'est une petite boîte. Voilà, on prend encore celle-ci. Elle était déjà taillée. D'ailleurs, c'est une petite branche qui sort là. Je peux récupérer que quelques feuilles. Voilà, rendez-vous à la cuisine. J'avais oublié, je suis revenue récupérer ne fût-ce quelques tiges de jeune oignon. Ça, comment je vais couper? Je peux enlever comme ça. C'est une façon aussi de récolter et je peux cueillir comme ça. Il y aura des jeunes qui vont sortir. Des jeunes feuilles vont sortir. Voilà. À la cuisine. Voilà, et nous passons aux ingrédients. Nous aurons besoin de feuilles de Ngaï Ngaï. En tout cas, pas assez, vraiment un peu. Besoin d'une boîte à sardines, boîte de sardines à tomates, ce que nous appelons chez nous pichard. Et nous aurons besoin d'une boîte. Quelques aubergines africaines. Nous aimons bien ça. Et voilà quelques aubergines. Besoin d'un oignon, une petite feuille laurier, et nous avons besoin aussi d'une gousse d'ail. Et nous avons aussi besoin de nos jeunes oignons, quelques tiges de jeunes oignons. Et je vous ai toujours dit, c'est avantageux de planter là au nez. Voilà, nous venons de prendre ça dans notre petit jardin là. Besoin aussi de sel, ainsi que de l'huile. Voilà, nous passons maintenant dans une étape pour apprêter ce que nous allons mettre dans notre recette.
Et entre-temps, nous sommes en train de blanchir notre oseille, notre ngaï ngaï rouge. Et nous apprêtons aussi ce qui va accompagner, qui va nous servir à la préparation de la recette. Voilà, sont principalement les oignons. Ce que nous pouvons apprêter, les oignons et les jeunes oignons aussi, ou oignons nouveaux, nous apprêtons. Et nous allons aussi ouvrir notre boîte de sardines, sardines à huile. Voilà, nous apprêtons aussi ça. Faut enlever ça. Voilà, de l'autre côté, nous sommes en train aussi d'ouvrir la boîte de sardines à tomates. Nous l'ouvrons et nous séparons la sardine de la sauce. Voilà. Voilà, on avait déjà mis nos oignons ainsi que les ail que nous avions hachés et nous passons à la sauce tomate. Nous n'avons pas utilisé la sauce tomate, plutôt excusez-moi, nous n'avons pas utilisé la tomate. Nous avons juste dû récupérer notre sauce tomate qui était dans la boîte de sardines. À la sauce tomate. Notre sardine à la tomate, nous l'avons gardée, nous l'avons réservée. Et voilà, nous passons dans cette étape, nous faisons notre sauce que nous avions mis les oignons. Ouh, celui-ci est resté comme ça, voilà, on n'a qu'à rester. Voilà, c'est bon. Nous pouvons progresser. Nous ajoutons notre ngaï ngaï rouge qui a été blanchi préalablement. Voilà. Nous ajoutons dans notre sauce. Et par après, nous mettons au même moment les aubergines, couvrir et laisser mijoter. Et c'est vers la fin que nous allons ajouter notre sardine et les jeunes oignons. Et ajouter encore la feuille laurier. Voilà. Nous allons couvrir la casserole et nous allons voir comment ça va devenir. Et ce n'est que après là nous allons ajouter les poissons. Qu'est-ce que je vais dire? La sardine. Voilà. Nous devons aussi ajouter un peu d'eau, bien sûr. Comment on allait cuire sans de l'eau? Voilà, on devait aussi ajouter de l'eau. Nous avons ajouté de l'eau. Nous laissons quelques minutes. Et après ce temps, nous allons voir comment nous allons ajouter notre poisson. Ah, nous venons d'ajouter notre sardine à tomate ainsi que les jeunes oignons. Voilà. Nous accordons ça juste quelques minutes et notre casserole est prête.
Voilà. Voilà, notre repas est là et nous venons de dresser notre table. Nous avons fini avec notre sardine à tomate. Voilà, les ingrédients étaient cités ci-haut. Voilà, nous sommes à la fin, pratiquement à la fin. Et la casserole, disons l'assiette est prête. Nous avons prévu de manger avec les foufous. Voilà, il ne reste qu'à vous dire au revoir et merci d'être si nombreux à nous suivre. Et abonnez-vous, likez, nous vous aimons beaucoup. Et Monsieur Moseka vous dit au revoir. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prend l'émission Mon secret de Malewa moderne. Break the shadow starts to fade.